Pour beaucoup, la vieillesse est un naufrage. Pour lui, elle est un objet d'étude. Si vieillir, comme mourir, est inéluctable, pourquoi ne pas faire en sorte de se réparer aussi longtemps qu'on est vivant ? C'est la motivation qui anime Jean-Marianne. Pour l'atteindre, il lui a fallu beaucoup travailler et beaucoup s'amuser aussi. La preuve, avec ou sans filtre. C'est par ici que ça se passe, Jean-Marianne. Bienvenue dans votre vie. Et on va commencer fort. On va commencer avec cette photo. Qui on a sur cette photo ? On a ma grand-mère qui a joué un rôle très important dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque la personne que vous avez le plus aimée dans votre vie ? Si ça n'est pas le cas, on s'en approche beaucoup quand même. C'est une Danaisienne. J'ai aimé d'autres femmes, mais pas de la même manière. Oui, c'est une Danaisie de Dzuwani, et qui a rencontré mon grand-père, qu'il a épousé en 1911. Et il a été mobilisé en juillet 14 et il est mort en février 15. Donc elle a vécu jusqu'à 96 ans, toute seule, en refusant de se marier d'ailleurs obstinément, malgré les candidats, me disait-elle. Il y a la lettre d'ailleurs, hein, le genre de lettre qu'on recevait à l'époque. Oui, alors, parce qu'elle en a reçu quelques-unes comme ça, parce que non seulement elle perd son mari, mais elle va perdre aussi deux frères. Elle a perdu deux frères à Verdun après, et avant elle était orpheline à l'âge de 7-8 ans. Elle a eu tous les malheurs du monde, cette dame. Oui, mais c'était de l'acier bien trempé. Ouais. Et donc elle s'est retrouvée avec son fils et sa belle-famille, qui l'a aidée évidemment. Habillée en noir, jusqu'à quel âge habillée en noir ? Jusqu'à 80 ans environ, et à 80 ans j'ai été un peu inquiet parce qu'elle s'est mise à mettre du violet. Donc comme je suis un peu provocateur, je lui ai demandé si elle avait des nouvelles intentions et elle m'a rembarré évidemment. Pourquoi vous l'avez tant aimée cette femme ? Ben, je l'ai aimée parce que c'est à la fois, parce que j'admire le projet de vie qu'elle a eu, c'est-à-dire d'une résistance, et même si elle a été aidée, c'est elle qui a porté tout ce projet de vie. Tout en étant une femme dure, avec de magnifiques yeux bleus d'ailleurs, elle était d'une extraordinaire douceur avec moi. C'était un mélange de douceur et de peut-être pas de dureté, mais de fermeté, on va dire. Et puis surtout, elle vous laissait libre. Le village, c'était la liberté absolue. Alors, avec elle. Je suis allé effectivement longtemps seul en vacances, parce que mes parents, au début, ils voulaient absolument assurer le cabinet, etc. Et ensuite, je suis revenu seul parce que mes parents allaient ailleurs, et puis moi, j'avais envie de venir à Venaco. Et j'étais donc seul avec elle. Et à cette époque, on avait une liberté. On se baladait dans le village toute la journée. Personne ne disait rien. Elle savait toujours où on était. Mais elle, en tout cas, elle l'acceptait. Il y avait deux conditions. Déjeuner à midi avec elle et dîner à 7h30. Et après, la nuit commençait, bien sûr. Et c'est là où elle avait cette phrase extraordinaire. Parce que chaque fois, elle disait, alors elle le dit en Corse, je ne sais pas s'il faut que je le dise en Corse ou en français. Comme vous voulez, vous le dites. Elle disait, « Mais you verrebbe di star in letto. » Tu ferais mieux de rester au lit, tu es fatigué, parce qu'on était allé à la rivière tout l'après-midi. Et puis je lui disais, « Mais non, j'y vais quand même. » Et alors elle disait, « Awa sinewa uvarketu. » Maintenant, il parle jeune faucon. Oh. C'était magnifique, j'ai trouvé. C'était magnifique, magnifique. Vous en avez parlé un petit peu, vous l'avez évoqué. Et j'ai choisi de mettre cette photo de votre papa, tout jeune. 16 ans, oui. 16 ans. Trench coat, très cinéma américain. Oui. Et mon père, il a eu... Je n'ai pas vraiment réussi à lui parler de son adolescence. C'était une adolescence de pensionnaire au lycée de Bastia, sortant une fois par semaine, voyant sa mère une fois par trimestre, parce qu'il avait une famille de correspondants au lycée de Bastia, bon élève, même très bon élève. Qui est allé jusqu'au bac. Et sur cette période-là, je ne sais pas grand-chose. Après, il y a eu l'arrivée à Paris, toujours aidé par... Il a habité d'abord chez un de ses oncles. Et l'arrivée à Paris, donc les études médicales, et on voit bien sur quelques photos qu'il s'est parfaitement intégré dans
la culture des jeunes médecins. Il avait une confiance absolue dans ses qualités médicales, dont un des exemples, c'est qu'il a toujours considéré qu'il n'y avait personne de mieux que lui pour nous mettre au monde à la maison. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup d'accouchements à la maison. Et vous êtes né où, donc ? Je suis né à Venaco, dans le lit de ma mère et de mon père. Donc. On va la retrouver, votre maman. Deux photos pour votre maman. Il se rencontre à Venaco, vos parents ? Elle, c'est une guérigne, elle. Hein, elle, c'est une guérigne avec deux R, précisait-elle toujours. Guérigne de Vezzani, donc c'est tout près. C'est pas loin. Mon père s'est installé en 43, ils se sont mariés en 43. Donc j'ai demandé à ma grand-mère comment ils avaient fait pour se rencontrer. Elle m'a dit, les familles se connaissaient. C'est une phrase qui ne veut rien dire, mais en tout cas, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Et ma mère est venue habiter, je le dis avec, en pensant à l'avenir, avec sa belle-mère et son mari, à Venaco, où mon père avait un cabinet. Et ma mère, comme c'est indiqué sur la photo d'à côté, est devenue avocate au barreau de Corté en 1943, ce qui est quand même... Exceptionnel. Ben, je crois, ouais. Oui, parce que j'ai essayé de trouver des statistiques quand elle est morte sur le pourcentage des femmes avocates. J'ai rien trouvé avant 1962. Et 1962, il y avait 8% au maximum de femmes avocates. Donc un sacré caractère. D'ailleurs, avec sa belle-mère, il va y avoir quelques anicroches. Oui, c'est sûr, il va y avoir des anicroches sur qui prend le pouvoir. Qui prend le pouvoir. Et la façon de le régler, ce problème, ça va être de partir. Parce que pour votre maman, justement, elle a cette volonté d'excellence pour ses enfants. Et l'excellence, dites-moi si je me trompe, elle est automatiquement ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle peut-être... Vous partez. On vous retrouve donc sur le continent. Alors, je l'ai matérialisé avec cette photo. Quand vous arrivez sur le continent à l'école, vous savez déjà lire, en fait. Je sais lire, écrire, compter, alors que j'ai à peine 5 ans. Et donc là, je suis le prototype de la photo de classe dans l'école à Clamart, où mon père s'était installé. Et j'ai franchi les premières étapes extrêmement vite, parce qu'on est arrivé en juin. Donc, on m'a fait passer en CP pour les 3 semaines qui restaient. Et donc, après, il y a encore eu une surprise. Si on le faisait sauter le cours élémentaire première année. Donc, je me suis retrouvé en CE2. Directement. Directement. Grâce à lui. Hein, oui, le dit, parce que, c'est votre grand-père. C'est le grand-père Guérini, ça. C'est le grand-père Guérini, qui était, j'ose à peine dire, un hussard de la République, parce qu'il était directeur d'école à Vezzani et sa femme était institutrice. Et ça va porter ses fruits pendant quelques temps. C'était une bonne idée. Puisque là, on vous retrouve au lycée d'État Michelet. On est à Vanves. Oui, un grand lycée. Un grand lycée. Et vous allez à ce point être bon que vous allez être élu meilleur élève de l'histoire du lycée. Alors, pas de toute l'histoire, mais de la scolarité entre 1962 et 1900. Non, entre 1900, quoi, quand je suis rentré, je ne sais plus la date exacte, et quand je suis sorti, qui est 1965. 1965, effectivement. Voilà, mais ce n'est pas parce qu'on est brillant à l'école et qu'on a de l'avance qu'on sait ce qu'on va faire dans la vie. Non. Et on ne va pas en parler là, justement, de ce que vous allez faire dans la vie. On va en parler dans une autre pièce. Tout est de... Eh oui, aïe. Il faut, on souffre des fois. Jean, oui, lui. Permettez-moi cette photo. J'ai envie de dire qu'il y a du Dr Jekyll et du Mr Hyde en vous, dès la jeunesse en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo. Alors on va commencer avec le Mr Hyde. Et le Mr Hyde, j'ai envie de dire qu'il est là, Jean. Il est au village. Ah, ça, c'est sûr que le village... Alors, il y a eu des moments d'importance variée. La rivière, déjà, c'est une vraie importance. Alors, la rivière, ça, c'est,
c'est mon amour de toute une vie, quoi, la rivière. Oui, mais tout jeune, vous y allez à la rivière avec quelqu'un qui est plus vieux que vous, avec alors, un certain ça, Antoine. Ça, c'est autre chose, oui. C'est, ouais. Donc là, ça, c'était à Vénaco. On allait au pont de Nochet, là où se trouvent maintenant les caselles. J'ai fait une rencontre dans le village d'un personnage, on va dire, curieux, étrange. D'ailleurs, il n'y a aucune photo de lui, j'en ai aucune, mais pourtant, il m'a marqué. Quand je devais avoir 12-13 ans, il en avait une 30. Il s'appelait Antoine Beaune. Et Antoine était à la fois assez sociable, il jouait bien de la guitare, c'était un joueur de poker, enfin un modèle assez... Et en même temps assez retiré, et je ne sais pas pourquoi, on ne sait plus. Peut-être que j'étais un peu plus mûr que j'en avais l'air, et lui... Mais en même temps, c'était un type secret, avec une violence un peu rentrée. Mais qui vous trimballe partout, en fait. Vous allez ensemble à la rivière. Alors, lui, il vient draguer les filles. Alors, vous, on allait vous religieusement à la rivière. Alors, donc, plus tard, moi-même m'étant éveillé de ce point de vue-là, la rivière était un lieu de préparation, si j'ose dire. On repérait des jeunes filles. Alors, mais disons que moi, j'étais plus... j'étais pas frénétique à changer de partenaire le plus souvent. J'aimais bien les histoires, les belles histoires. Et lui, c'était quand même beaucoup plus un consommateur. Et il fallait le suivre. Il fallait passer automatiquement chez Auguste, ne surtout alors, pas rater une soirée. Hein, alors jamais. Ça, c'était la vie, c'était pas forcément lié à Antoine, mais c'était la vie nocturne vénacaise, où il y avait un bar mythique qui s'appelait chez Auguste Salvador, avec les cannelles, le tépaz, les slow. Auguste, remets-moi ce slow, j'ai l'impression que ça marche. Mais et c'était puis, des soirées heureuses, des moments heureux, sympathiques. Et puis, il y a le docteur Jekyll. Et le docteur Jekyll, eh bien, il choisit des études de médecine, justement, pour être oui, docteur. J'ai choisi des études de médecine. Pourquoi ? Peut-être qu'il y avait une part de tradition familiale, mais je trouve qu'il y avait, peut-être je trouvais aussi qu'il y avait une combinaison entre un métier manuel et quand même des choses à apprendre, etc. Donc j'étais... et il y a eu aussi une certaine influence de la personne qui est au milieu en bas, qui est le docteur Robert-Antoine Schwab, qui était chef de service de neurologie à la Riboisière et qui se trouvait être mon parrain. C'est rare d'avoir un parrain juif dans la religion catholique, mais... Et neurologue. Et puis vont arriver deux événements majeurs qui vont vous faire réorienter un petit peu tout ça. Et je l'ai matérialisé comme ceci. Alors, il y a eu effectivement le service militaire. Et pendant ce service militaire, justement, comme vous avez du temps et que vous avez envie de vous occuper l'esprit, est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire ? Vous allez vous inscrire en fac, en fait, hein ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du service militaire, c'était clair que ce qui m'intéressait, c'était les activités liées au cerveau en général. Et j'ai compris que c'était ça. Mais il y avait un mais. C'était quand même que, d'abord, je ne me voyais pas faisant de la clinique temps plein. Et je me suis dit que si je m'intéresse au cerveau, il faut peut-être l'ouvrir, ce cerveau. Voir, c'est pas une boîte noire fermée. Voir ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ai commencé par m'inscrire en faculté des sciences à Jussieu pour faire une maîtrise de biologie et de physiologie. Et après cette maîtrise, très rapidement, j'ai commencé mon internat. Je ne sais plus si... Oui, parce que le service militaire, c'était après la réussite au concours de l'internat. J'ai commencé mon internat et je l'ai très vite adapté à la suite d'une rencontre. Je tombe sur un article écrit par quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Changeux. Je n'en avais jamais entendu parler dans mes études. D'ailleurs, je l'appelais Jean-Pierre Changeux au début. Et qui s'appelait « L'inné et l'acquis dans le déterminisme des structures du système nerveux central ». Et la manière dont cet article était écrit, et surtout le niveau d'approche qui combinait des approches cellulaires, moléculaires et de la fonction, donc un niveau intégré, m'a paru une voie indispensable pour comprendre le cerveau. Et donc, j'ai transformé en 15 jours mon internat du jour au lendemain. J'ai pris des stages moins prenants et j'allais l'après-midi chez Jean-Pierre Changeux où je travaillais sur la souris. Moins de clinique et plus de labo, quoi. Voilà. Et ça va donner ça. Qui n'était pas un médecin, Jean-Pierre Changeux.
Une thèse de médecine pendant mon internat, c'est-à-dire que même pendant mon internat, j'ai voulu faire un travail de recherche sur le mouvement, et une thèse de science, la grande thèse de science de l'époque, la thèse d'État, qui était faite sous la direction de Jean-Pierre Changeux, et je peux vous en dire un mot si vous voulez. Voilà, c'est celle-là qui m'intéresse, parce que celle-là, il va y avoir quelque chose qui va être démontré pour la première fois au monde, justement. Alors, il y a deux choses. Un engagement irréversible, j'ai trouvé ma voie, du moins pour un certain temps. C'est la recherche dans les meilleurs labos sur les sciences, les neurosciences, comme on disait à l'époque. Et dans ce cadre, une approche un peu paradoxale. Évidemment, je me suis intéressé au développement du cerveau et plus particulièrement d'un système particulièrement intéressant, le cervelet, parce que c'est un très beau système modèle. Et dans ce cadre, tout le monde pense que le développement, comme son nom l'indique, c'est une augmentation. Et il y a des phénomènes paradoxaux. Le développement comprend des phénomènes d'élimination très importantes. C'est-à-dire que le système se sculpte progressivement au cours du développement à partir d'un système où les connexions, les synapses sont plus floues et certaines sont stabilisées et d'autres sont éliminées. Et effectivement, ça a été, avec Jean-Pierre et d'autres, Jean-Pierre Changeux et d'autres, le premier exemple d'élimination de synapses dans le système nerveux central au monde. Donc, c'est l'importance des phénomènes régressifs pour sculpter le système du cerveau. Et le système du cerveau qui a 100 milliards de neurones. Absolument. Mmh. Et je ne sais combien de milliards de synapses. Et comme vous l'avez dit, vous avez trouvé votre voie, mais si vous avez trouvé cette voie-là, pourquoi vous n'avez pas fait médecin comme votre père à soigner le patient? Alors bon, j'ai quand même vu des patients pendant mon internat, mais après, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui est à la fois enfantin et prétentieux, j'avais l'idée qu'il fallait que je laisse une trace. Une trace dans l'histoire de la connaissance, même si elle est minuscule. C'est ni Einstein ni Niels Bohr, mais faire quelque chose qui persiste. On sait que dans la science, finalement, ce n'est pas l'auteur qui persiste, c'est quand même l'ensemble des résultats qui sont combinés. Mais avoir fait une contribution, ça me plaisait. C'est tout, c'est simplement un plaisir. Ma mère était moins contente parce qu'elle me voyait tout de suite faire la carrière la plus brillante qui soit. Et j'ai fait un détour par la recherche. Et détour par là, justement. Et vous devenez un biologiste en développement, d'abord, hein, pendant quelques années. Hein, vous allez travailler à l'INSERM, bien sûr. Quand j'ai l'air encore jeune. Oui. Et puis après, vous allez monter votre propre labo à Jussieu. Mais peu à peu, vous allez glisser vers le vieillissement. Et le vieillissement, on va en parler là. On va dans une autre pièce. D'accord. Allez, allons dans la autre pièce. Et donc, Jean, sur le vieillissement, qui devient peu à peu votre domaine, il y a un mot qui vous hérisse le poil. Et vous, quand vous avez le poil hérissé, vous écrivez, Jean, et vous écrivez... J'écris l'imposture du transhumanisme. Ouais. Et pourquoi cette imposture? Parce que, en même moment, après 40 ans de recherche, où nous autres, pauvres neurobiologistes, on s'aperçoit qu'on a fait beaucoup de progrès, comme toute la communauté des neurobiologistes, mais qu'on ne sait toujours traiter aucune des grandes maladies neurodégénératives liées à l'âge. Au même moment, un mouvement venu des États-Unis et qui trouve des relais nous explique qu'en 2045, tout sera réglé, c'est-à-dire que le double fantasme de l'éternelle jeunesse et de l'immortalité sera obtenu, étant donné qu'il y a au même moment des tas de une convergence de techniques qui vont faire des progrès entre eux. Et vous, 40 ans de recherche, ça, c'est vraiment une imposture, Jean. Nous avons retravaillé pour nous assurer que c'était une imposture, et c'est effectivement une imposture. Ça ne veut pas dire que la recherche ne fait pas des progrès, mais il y a des blocages. C'est la même chose dans d'autres domaines. Il y a des blocages, et dire ça, c'est une imposture au sens propre. C'est-à-dire qu'on est en dehors de la médecine fondée sur la preuve et des exemples de la médecine. On est dans un discours
qui est une coquille vide pour moi. Et on parle souvent d'ailleurs de choses qui nous dépassent. Par exemple, on dit, pour parler du vieillissement, que vieillir, c'est perdre ses neurones tout au long de la vie. Ça aussi, ce n'est pas une imposition, mais ça aussi, c'est une bêtise. Alors, vieillir, c'est, je dirais, c'est avoir quand même une baisse des capacités de son système nerveux. Mais ça n'est pas effectivement en perdant des neurones. Ça, c'était quelque chose, indépendamment des transhumanistes, les gens ont cru qu'il y avait un destin irréversible, qu'on perdait des neurones. Je parle du vieillissement normal, hein, pas oui, dans bien des sûr, maladies. Bien sûr. Depuis qu'il y a des techniques sophistiquées pour compter les neurones, on s'aperçoit qu'on en perd très peu. Donc, ce qui fait la capacité fonctionnelle du système nerveux, c'est le réseau des neurones. Ce réseau, il ne perd pas tellement de neurones, peut-être 5% en dehors des maladies, mais il perd quand même des capacités. Ça, tout le monde peut le constater en vieillissant. Donc, comme il n'y a pas encore de solution pour bien vieillir de façon médicinale, il y a par contre des façons pour bien vieillir, c'est comportemental, si j'ai bien non, lu votre livre. Non, dans le livre, on indique que ce n'est pas la peine d'attendre des technologies sophistiquées, il y a des règles simples qui permettent de se protéger des bourreaux du cerveau et même du corps tout entier. Ce qu'il faut, c'est supprimer l'alcool exagéré, le tabac, et lutter contre les bourreaux du cerveau que sont l'hypertension artérielle, le diabète et un nouveau sur lequel nous on travaille maintenant, les apnées du sommeil. Mais pourquoi les apnées du sommeil? Qu'est-ce qu'il y a avec les apnées du sommeil? Parce que les apnées du sommeil, c'est simplement quand on dort, on arrête de respirer à certains moments. Ah, et donc on n'oxygène pas le cerveau? Non, mais non seulement le cerveau, mais l'ensemble du corps. La concentration d'oxygène dans le sang baisse et ça, répété 50 fois par heure, ça fait des dégâts. Et c'est pour ça que les apnées du sommeil créent non seulement une somnolence le lendemain, mais elles sont surtout un facteur de risque majeur d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque et peut-être, pour nous, on essaye de tester cette hypothèse, de la maladie d'Alzheimer. Et puis le cerveau, il est sensible aussi à l'activité physique? Alors, il est très sensible à l'activité physique. Je dirais que l'activité physique, je suis un fanatique absolu de l'activité physique en vieillissant. Malheureusement, il faudrait que je le mette plus en pratique pour moi-même. Donc là, il y a un problème. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a étudié l'activité physique comme un médicament, c'est-à-dire dans des essais en double aveugle, et on a montré que l'activité physique agissait sur ralentissait le vieillissement du corps en général et du cerveau en particulier. Mais aussi, on a identifié les mécanismes moléculaires, c'est-à-dire que l'activité physique, dont les gens pensent que ça fait simplement des gros muscles, l'activité physique a d'autres actions, elle déclenche la synthèse, y compris dans le cerveau, de molécules merveilleuses, protectrices, qu'on appelle les facteurs trophiques, le nerve growth factor, etc., etc. Et donc ces facteurs protègent le cerveau. Évidemment, il ne le protège pas contre toute agression ou toute. Mais c'est déjà ça. Mais il le protège. Donc, faites de l'activité physique en vieillissant et faites de l'activité physique la plus intense possible compte tenu de votre âge. C'est-à-dire, n'hésitez pas à faire de la musculation, du high intensity interval training. Ah oui. De manière à. Bien sûr, d'une manière régulée, mais il faut vraiment. Je suis un fanatique de l'activité physique. Il faut s'essouffler, en tout cas. Il faut s'essouffler. Il faut faire monter sa fréquence cardiaque aussi. Votre côté, Mr. Hyde, je vois bien, il est là. Livre de jeunesse, enfin un projet de film de jeunesse, l'image de Pierre. Oui. On est en 84 là, je crois, quelque chose. Oui, je suis très intéressé par l'idée des manipulations. C'est l'idée de manipuler le désir pour se trouver dans la situation, le manipuler par exemple pharmacologiquement, bien sûr c'est de la science-fiction ou de la fiction de la science. Et le but de ça, après quelques épisodes, c'est d'assassiner un dictateur islamique. Vous voyez que c'était prémonitoire. Oui, le film ne s'est pas tenu. Mais par contre, effectivement, vous aviez eu le nez creux, parce que là, on est sur le livre, toujours avec Daniel Trich, le livre qui devrait sortir incessamment. Bah, et ça, c'est intéressant. Quelques mois, quand même. Sexe et cerveau. Alors peut-être que le titre va différer. Hein, l'éditeur, je sais qu'il y a une bataille. Mais entre désir et violence, et là, expliquez-nous un petit peu en quoi ce livre aussi est super intéressant. Bah, c'est l'idée que depuis MeToo, on a fêté les 5 ans de MeToo, il y a eu une effloraison de littérature justifiée sur les violences sexuelles et sexistes, et y compris sur la sexualité normale, etc. Mais personne vraiment ne s'est intéressé à l'idée que le cerveau pourrait avoir quelque chose dans le cerveau dans la génération des violences, c'est-à-dire le cerveau du prédateur, et aussi qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la victime. C'est-à-dire que
comme toujours, ce sont plutôt des livres de sciences humaines et sociales qui sont parus, qui sont très intéressants, mais il manque une dimension biologique à un phénomène sociétal où, pour moi, il est évident qu'il y a une dimension biologique. C'est que le cerveau est le chef d'orchestre à la fois d'une sexualité réussie et des violences, alors de toutes les formes de violences, c'est-à-dire la pédocriminalité, les viols, les violences, etc., etc. En 2018, vous devenez professeur émérite, c'est-à-dire que vous arrêtez d'enseigner, mais vous pouvez continuer à travailler. Et on va voir un petit peu où vous mène ce travail. Et ce travail, il vous mène justement... Alors j'ai pris une photo pour illustrer tout ça, hein. Il y en aurait plusieurs, mais c'est pour montrer que vous continuez justement... Alors, de professer, de rechercher tout autour du monde avec d'autres scientifiques, avec une idée en tête, dis-moi si je me trompe, permettre un meilleur vieillissement, ça serait peut-être la solution de réparer ces synapses. Une autre chose que je continue à faire, c'est effectivement de m'intéresser non plus à constater les dégâts, mais à essayer de les réparer. Alors dans le cerveau, on ne peut pas tout faire. Nous, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser une technique qui s'appelle la stimulation magnétique répétitive, Transcranial Magnetic Stimulation, qui a l'avantage d'être une technique qu'on peut faire à travers le cerveau, à travers le crâne, et qui donne apparemment beaucoup de résultats. Donc on essaye de comprendre et un jour d'appliquer la réparation des synapses. Mais par ailleurs, je travaille aussi avec l'industrie pharmaceutique aussi. Exactement, vous découvrez l'industrie pharmaceutique pour lutter contre la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quand il y a la fonte des muscles. Et là aussi, c'est tout un programme, j'en suis sûr. Mais comme on n'est pas immortel, ni vous, ni moi, quand vous serez mort, il y aura certainement elle. Hein, elle qui prendra le relais. Je m'y attendais pas. Votre fille qui, lorsque je vous ai appelé pour venir dans cette émission, vous m'avez dit... Elle est encore plus forte que moi ? Je crois, oui, elle est meilleure que moi. D'abord parce qu'elle est, d'abord elle est plus jeune. Ensuite, elle a été très bien entraînée. Et enfin, elle est mieux organisée. Parce que l'organisation, c'est important aussi, dans l'organisation du temps. Et elle a une capacité créatrice, une volonté absolument incroyable. Mais ne croyez pas que je privilégie ma fille sur mon fils. Non, pas du tout. Il y a d'autres qualités. Mais votre fils n'est pas dans ce domaine-là. Non, il est dans un domaine, les nouvelles énergies, où ça marche très très bien. Je n'ai pas mis sa photo. Non, mais comme nous ne sommes pas immortels, on finira tous avec cet écran. Ça, c'est une immortalité trans... n'est pas transhumaniste, mais transgénérationnelle, qui est peut-être plus réaliste. Et donc, on finira avec cette image-là. Et parce que quand je vous ai demandé des photos, vous m'avez envoyé cette photo. Mm-hmm. Là, il s'agit de votre sœur, de votre jeune sœur, qui, avec son mari, qui sont... Non, elle était plus âgée que moi. Plus âgée, oui, pardon. Qui sont morts prématurément, d'ailleurs. Oui, il y a leur tombe, là. Hein. Charles-Henri Flammarion. Flammarion et Marie-Françoise Flammarion. Et ça, c'est le caveau familial, où on voit Marianne. Néguéry, exactement. Avec deux airs. Vous serez enterré, caveau familial. Alors, j'ai pensé qu'en post-mortem, ça serait bien que je revienne ici, au dernier endroit qui reste. Là ? Oui, parce que c'est tout près de ma grand-mère qui est... Votre grand-mère adorée. Et ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez... Alors, je ne vais pas parler d'épitaphe, mais qu'on retienne de vous, puisque j'ai bien compris que si vous êtes allé dans la recherche, c'est un peu pour laisser une trace. Donc, Jean-Marianne, quelle trace aimeriez-vous laisser ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que est-ce que c'est une trace ? Est-ce que c'est... une devise. Ce que vous voulez, vous aurez le mot de la fin. Eh bien, je dirais que la devise de ma vie, et qui s'inscrit dans le futur, soit transgénérationnel, c'est produire, séduire et mourir. Mourir étant mis là, c'est l'idée qu'il faut aussi réussir sa mort. C'est-à-dire de manière active. Mourir en bonne santé. Non, mourir quand le temps sera venu, mais... faire face à ce moment-là. Voilà, je n'ai pas envie de mourir en recevant une balle dans la tête sans m'en rendre compte. J'ai envie de le savoir. Venez à côté de moi. Geste pour finir l'émission. Ça a été une grande leçon. Merci. Merci beaucoup, un véritable plaisir. Merci Jean. Merci beaucoup. Continuez bien de travailler, parce que vous continuez de travailler. Oui. Et à un de ces jours, du côté de Vico, où vous voulez. Hein ? D'accord ? Pas de problème. À bientôt Jean. À bientôt. Merci à vous.